Alors Sindel, on se retrouve pourquoi aujourd'hui pour un un swap, je veux dire. Exactement, un swap de Pâques. Oui. De Pâques. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que tout va bien. En tout cas, moi aujourd'hui ça va super. Oui, on espère que vous allez tous très bien. Moi je vais bien aussi. Et aujourd'hui on se retrouve pourquoi Sindel? Un swap. Et ce swap, c'est avec la chaîne de mon frère, bien évidemment, ISS Gaming. Donc c'est ISS Gaming que vous retrouverez dans la barre... d'infos. Exactement, dans la barre d'infos. Alors on va commencer ce swap sur le thème de... De Noël. Ah bah oui, de Noël, hein. J'ai cru que t'allais hésiter un petit moment. Hein. Mais où est ta boîte de swap? Parce que là, il y en a partout en fait des boîtes. C'est laquelle? Bah ouais, il y en a tellement que j'ai plus la cassette. Eh ben en fait, hop, elle est là ta boîte de swap. Alors oui, chez nous on se resserre des boîtes Bigami pour faire des swaps. Alors déjà, tu as une lettre. Voilà, on a une lettre, oui. On regarde dessus. Ouais. Et c'est marqué chiffre 1, 2, 3 et d'accord. Tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et numéro 1 par exemple c'est... Avec un indice. Ouais, ça sent bon. Et tu les adoreras. C'est parti pour le swap. Let's go. Je te suis. Qu'y a-t-il dans ce colis? Swap de Sindel. Ouais, ça a l'air pas mal. Après, la contenir, il y a tout ça. Ok, bah c'est bien. Écoute, bah écoute, ouvre ta lettre. Ah non, c'est laquelle là? Non, bah non, c'est ça. Ouais. Sindel. Voici ton swap de Noël. Bravo! Merci! Numéro 1. Le petit indice. Numéro 1. On commence tout petit, mais des trop choses. Hein? Je sais pas du tout, je m'en souviens plus. C'est vrai que c'est moi qui écris et j'ai une écriture, mais alors déplorable. Mais c'est pas trop chose, c'est trop chou! Alors, on commence tout petit, mais c'est trop chou. Ok, alors vas-y, cherche le numéro 1. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 2. Ah, ça y est, j'ai trouvé le 1. Ça y est. Il a été un peu galère. On va l'ouvrir. Ok, alors t'as vu, hein, c'est tout petit. Hein, c'est écrit, oui. Tout petit. Hein. Je me demande vraiment ce que c'est. Alors, je redécouvre avec toi parce que je ne sais plus du tout. Quoi? À mon avis, t'as déjà vu, la toi. Collection. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Alors en fait, ça vient de... C'est le squishy de Bigami. Et on l'a pas celui-là. Bah non, tu l'as pas. Et en fait, ça vient de quand moi j'ai reçu ma veste. C'est un petit canard. Un petit poussin. Non, petit... c'est un canard. Un petit poussin. Un petit oui. Poussin. Ah oui, un petit poussin. Vas-y, montre-nous. Petit poussiné. Voilà le petit poussin tout mignon mignon, le petit poussin de Bigami que j'ai eu dans mon carton Bigami, mais moi je m'en sers pas et je sais que Sindel en fait la collection. Donc nouvelle arrivée dans la petite famille. Je me rappelais plus du tout. Allez, on continue du coup. Tu te le mets sur le côté là où tu veux. Il y a plein de places où tu veux. Alors numéro 2. Ah. Ils sont mieux. Ils sont bons en chocolat, mais en peluche, ils sont mieux. Et il y en a 4. 4 pièces. Ouais, il y a 4 pièces. Oui, des fois, sur le menu, sur un cadeau, en fait, c'est 4 petits cadeaux ou des trucs comme ça, parce qu'il y en avait plusieurs. J'avais envie de prendre plusieurs. Mais là, pour le coup, je ne me souviens plus. C'est parti. On cherche les 4 2. 1. Ah, bon, voilà. 1. 2. Ah oui, d'accord. Oui. 3. Est-ce que tu arrives à deviner ce que c'est? En chocolat, ils sont bons, mais en peluche, ils sont encore mieux. Je crois, mais bon, ça serait un peu bizarre. C'est quoi d'après toi? Les sucettes au chocolat, je crois. Des sucettes au chocolat, ouais, c'est pas un peu gros ça? Bon, vas-y, on va voir. Bah, je sais ce que c'est, ça y est, j'ai. Commencez par celui-là. Comme tu veux. Ouais. Alors ouais, exactement. Et de 1. Ah,
Et là, ça aussi c'est à Timols. Oui. Et de deux. Cette fois j'ai refait la collection. Eh oui, tu en fais la collection de ça aussi, mais en fait je crois que tu fais la collection un peu de tout. Hein. Ouais. Est-ce que tu vas faire la collection des bonnes notes? Elle ne prend pas non. Ah bon, j'aimerais bien que tu fasses la collection des bonnes notes, moi. Et un troisième. Et de quatre. Quatre petits œufs à Timols. Tu nous les montres de plus près? Hop là, allez. Et de un. Voilà. Tiens. Donc il y a deux tailles en fait. Donne-moi juste. Ok, celui aussi. Ah, ils sont différents, ouais, d'accord. Donc je sais pas du tout quelle est la différence. Je pense que c'est pas la même saison hein, en fait. Et les autres, attends, je vais en poser un. Et fais voir. Donne-moi un des autres là, voilà, comme ça, merci. Et donc en fait les autres, voilà, ils sont de tailles différentes, mais par contre ils ont l'air d'être de la même collection. Faudra voir la saison en fait. Hop là. Numéro 3, mademoiselle. Pourquoi il y a 2-3? Il y a 2-3? Ouais. Eh ben alors c'est qu'il y a 2-3. Je sais pas, je pourrais pas te dire pourquoi, c'est parce qu'il y en avait 2, je sais pas. 3 est le premier de ta collection et il fais voir, montre-moi, j'ai il est renversant. Alors là, il est premier de ta collection et il est renversant. Alors là même je moi sais, il est premier de ta collection, il est renversant. Je sais pas du tout. Alors vas-y, cherche le 3. Et alors attends, il y a combien de pièces? Non, il y a qu'une pièce hein, il y a pas de 3, hein, il y a qu'une pièce. Oh, c'est celui-là? Ouais. Vas-y, ouvre-le. C'est un slime. Je crois pas, hein. Si? Non? C'est quoi? Ah oui! C'est vrai! C'est vrai, celui-là! C'est le premier de ta collection. Là, c'est violet. Voilà. Et là, c'est vert. C'est le premier de ta collection. Il est tout petit. C'est le Chimese. Donc, il a certainement un nom, hein, mais on va voir ça tout à l'heure. Et alors, il devient vert. De rose, il passe à vert. Il est trop chou. C'est un petit chien, je pense, non? Ça va? Regarde. Ok. Ça a l'air d'être un petit chien. Non. Non? Non, ça. Ah oui, ouais. Peut-être. Ouais. Ensuite. Suivant. Je l'adore. Ah ouais. Là, on doit passer au deuxième. Non, quatrième. Oui, au quatrième. Allez, vas-y. Du coup, je vais. Où tu veux? Quatrième. Mieux qu'une reine. Madame. Ah oui. Hein? Montre-moi. Mieux qu'une reine pour le numéro 4. Ah ouais. Mieux qu'une reine, madame. Vas-y, ça devrait te mettre sur la voie, ça. Mieux qu'une reine, madame. Alors là, c'est de la déco, ça. Pour ta future chambre. Ouais. Mais où t'as trouvé ça? Elle est stylée, hein. Elle est grande, hein. Toi qui en as plein, plein, plein. Bonne question, je sais plus du tout. Allez, viens, montre-nous, madame. Alors voilà, ça c'est pour la déco de Sindel de sa future chambre qui va prendre vie petit à petit en janvier. Et ben voilà, ce sera monsieur, madame, princesse. Et apparemment, elle aurait le corps souple. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle a le corps souple. Et Sinelle aime beaucoup les monsieur madame, c'est vrai que c'est des dessins que moi j'aime beaucoup. Alors après c'est des histoires pour les plus ou moins grands, hein, mais bon, là c'est de la déco. Et puis elle aime bien les livres aussi. Allez, bah tiens, je te l'ouvre pendant que tu ouvres le cinquième si tu veux. Tiens. Bah si j'y arrive. Pas garanti que j'y arrive. Numéro 5, ouais. Ils sont choux. Ils sont deux et ils sont un collectionné et ils sont en... Ça fait beaucoup de « et ils sont ». Ils sont en trois pièces. Ah oui, d'accord, il y a 3 cadeaux. Alors pendant que Sindel cherche les numéros 5, donc il y a 3, 5. 5, je t'ai dit. Moi, je montre ça pour ceux que ça intéresse, la madame princesse, là. Il y a aussi pour les garçons. Hop, et il y a tous ces personnages-là. Je sais pas qui est. Ouais, c'est Costaud, Bonheur, Malchance, Risette, Heureux et Glouton. T'as trouvé le 5? Alors attention parce qu'il y a écrit... Ah oui, c'est bon.
Je croyais que t'avais plus qu'un seul, donc t'as les trois alors. Ouais. Et toujours pareil, je ne sais plus ce que c'est. Oui, vas-y. Je crois que c'est des... Il y avait écrit quoi? C'est puzzle? C'est un puzzle? C'est quoi? Ah oui, non, c'est pas... oui, si. Alors, c'est des squishy. Voilà, non, sans... c'est pas squishy. Et si, c'est des peluches squishy. Voilà, c'est des squishy en forme de peluche, en fait. Mais elles sont connues, hein. Alors, moi, je vais voir le petit poussin. Et ils ont tous une odeur. Alors, il faut reconnaître après. Tu nous montres celle-ci pendant que tu ouvres les autres. Les petits poussinets. J'espère que tu ne vas pas la mettre. Bah, j'ai fait en sorte de bien faire les choses, Cindel. Alors, le petit poussin, et c'est les Squishy Malls. Et ils sont trop, trop kawaii. Regardez-moi ça. C'est du kawaii à souhait. Ils sont adorables. Non, ils sont trop mignons. Et vous voyez, vous pouvez les écraser et... Ils redeviennent comme ils étaient. Ils sont trop bons. C'est léger comme odeur, hein, c'est léger. Et celui-là, ils sont bons, hein, ils sont... Je sais pas ce qu'ils sont. Lui, il sent le chocolat. Ah, lui, il sent un peu moins, oui, tu as raison. Voilà, toujours un Squishy Animals. Squishy Animals, j'arrive pas à le dire. Et là, on a un petit singe, un petit monkey. Hop là. Et le troisième. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Ah si, ouais, on a fait exprès de te prendre celui-là, tu sais pourquoi? Le petit mouton. Jackson. Ouais, exactement, c'est pour Jackson. Alors pour la petite histoire, les petits copains et petites copines, on habite à côté d'une maison de retraite et dans leur jardin, il y a une famille de moutons, papa, maman et le bébé. Et le papa, on l'appelle Jackson parce qu'il a une sacrée touffe de poils. Il est tout bouclé partout. Alors voici Jackson, sauf que nous c'est un mouton de Ouessant et il est tout noir et celui-là il est tout blanc. Alors, il y sent bon aussi. Alors est-ce qu'il y a les odeurs de marquer dessus? Je vois pas, c'est trop petit. Au suivant. Suivant. Quoi? J'ai une mauvaise écriture que ça. Alors, numéro 6. Elles te garderont les pieds au chaud. Ah oui! Ah oui. Allez, vas-y, cherche le numéro 6 à ne pas confondre avec le numéro 9. Mais non, mais comme c'est, ils sont, ils peuvent s'inverser, mais bon, là, je pense les avoir bien écrits. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Non, pas le petit bout là, mais celui que t'as dans la main droite. Ça? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que t'as une idée? Ouais. Ouais, c'est quoi? C'est pas plus bigamy. Non, pas bigamy. Pas bigamy parce qu'il y avait plus ta pointure quand j'ai voulu commander. Donc, j'ai dit, bon bah tant pis, il y a celle-ci à Leclerc. Et puis à la plage, t'avais pris quand même la veste bigamy. Donc, je m'étais bien rattrapée. Et puis, encore autre chose dans pas longtemps. Donc, voilà, j'en dis pas plus. Non! Donne, a tout arraché là, sauvage. Mais bon, voilà, on n'est pas très loin quand même du bigamy. Et celles-ci, elles sont, voilà, elles sont pas mal non plus parce que elles vont bien rester accrochées aux pieds. Donc voilà, elles sont toutes douces. J'avais pas vu comment elles étaient douces. Donc voilà la petite pantoufle big, pas bigamy. Ah, tu veux dire des bêtises. Hop, là il y a juste la boîte de bigamy. Il y a pas de bigamy là cette fois-ci. Ça sera ta réponse si tu stresses. Ça, c'est pour le cadeau numéro 7. Exactement, elle sera la réponse si tu stresses. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Vas-y. C'est un slime. Non, c'est pas de slime. Alors, je suis désolée, je t'ai pas pris de slime. Alors, c'est quoi du coup? Un squishy. Ah, ils sont trop bons. Bah oui, un squishy de réponse. Hop. Non, c'est Aurore, oui, n'importe quoi. Mais pourquoi j'ai marqué ça alors moi? N'importe quoi. En plus, on savait qu'on prenait Aurore parce que je l'ai pris avec Enola. Parce que oh, c'est une de tes préférées. Ouais. Il y a une sacrée odeur. Ça sent l'industriel. Voilà ton squishy Aurore. Alors oui, du coup, j'ai marqué la réponse, mais non, c'était pas la réponse. Hop, montre-moi.
Regardez comme elle est mignonne, la petite Aurore. C'est tellement fort que ça pue. Ouais, c'est vrai que ça sent vraiment l'industriel. Hein. Mais c'est vraiment... C'est, franchement, ouais, carrément, je crois que je vais te la piquer. Non. Tête déformée. Elle reprend bien sa forme. Hein. C'est bien, elle a plus de rides. Ouh. Voilà ton petit squishy. Emporté partout avec toi, dans ton manteau. Si tu stresses le matin, tu l'écrabouilles. Allez, on continue. Numéro 8. Tu lui confieras tous tes secrets. Ok. Quoi, savoir. Ah, et c'est quoi alors? Non, en fait, c'est extrêmement gros, alors non. Tu pensais que c'est quoi? Une boîte à secrets. Ah, une boîte à secrets. Oh, t'en as beaucoup des boîtes à secrets dans ton dans tes affaires là, dans ton cafarnaum. Vas-y, de l'autre côté. C'est de l'autre côté que ça se passe. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, un carnet intime, ouais, exactement. Allez, vas-y, montre-nous. Il est vraiment très très girly. Moi, franchement, avec Enola, on s'est dit, ouais, ça correspond à Sindel, qui commence à écrire un petit peu partout des histoires, des choses comme ça. Hein. Tu lui confieras ce que tu voudras. Alors, on a dans ce petit coffret-là le stylo pompon. Trop mignon, trop kawaii, tout rose, avec le petit nœud là, franchement. Voilà, on peut pas plus girly. Le carnet intime avec un petit miroir hologramme et des paillettes à l'intérieur. Et on a, je crois, une planche de stickers, mais j'en suis pas sûre. Bah toi, voilà, c'est écrit derrière en fait. C'est encore mieux de le lire. Journal intime, deux planches de stickers, un stylo avec pompon et un carnet de notes. Et ben voilà, tout ça pour toi. Dans les coloris rose, doré, flamant rose. Hop, attends, je vais te le lancer. Hop. Voilà. Je sens que ça va pas vous plaire. Ouais, je pense que ça va te plaire aussi. Ouais. Attends, donne-moi-le. Pendant que tu fais tes autres cadeaux, je vais l'ouvrir pour mieux vous le faire après. Vas-y. C'est quel numéro là du coup? Numéro 9. Numéro 9. Cache une. De quoi? Trésor. Il cache un trésor. Il cache un trésor. Ok. Numéro 9. Ça c'est. Alors je me souviens plus, hein, donc. Ah oui, c'est celui-là. Ah oui! Ah oui! Ah, oui, je crois. Alors vas-y, dis-nous si tu sais ce que c'est. Un oui, masque alors... pour la tête. Non, c'est pas un masque. C'est encore mieux qu'un masque, tu vas plus apprécier. Alors ça a été acheté à la chaise longue. Bah c'est un magasin. Donc en attendant que Sindel ouvre, voilà, moi je vous montre le petit stylo pompon. Trop chou, trop kawaii. Allez, les petits points. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je sais ce que c'est. Et je suis contente parce que tu vois, je m'en souvenais plus. Oui, un slime, parce que depuis tout à l'heure tu me dis un slime, et non, en fait, moi je te disais, mais non, je t'ai pas acheté de slime, mais oui, je t'ai pris un slime, je m'en souvenais plus. Alors, attends, c'est... Exactement, vas-y, envoie, je vais le montrer au petit copain, petite copine. C'est un slime spécial licorne acheté à la chaise longue, et dedans, il y a une petite licorne de camouflé. Voilà, et Sindel vous donnera son avis certainement en vidéo, je pense, hein, comme tu veux. Et voilà, on va le tester parce que franchement, on connaît pas. Et il était pas cher, hein, il était peut-être 1€ et quelques. Donc voilà. Alors ici, vous pouvez voir ce qu'il y a. Voilà. Ouais, là on voit. Ouais. J'en ai bon, t'es contente de ton slime hein? Oui. Depuis tout à l'heure, tu m'en demandes. Alors voilà pour le flamant rose. Je pense ouais, vas-y. Numéro. Voilà, et tout simple, la spirale. Avec les petites paillettes, alors est-ce que 10, je vais pouvoir... Elle te câline avec des arcs-en-ciel. Elle te câline avec des arcs-en-ciel. Numéro 10. Le petit carnet de notes tout mignon, tout kawaii, tout je petit flamant rose. Ce que c'est. Ah, qu'est-ce que je ce serait après toi? Une ouais. Une jolie licorne. Trop trop kawaii. Et elle est assortie à ta combi, à ta veste, elle fait partie de la famille. Elle est assortie à la... aux chaussons, bref. Bienvenue à toi, petite licorne. Tu nous la montres? Allez, vas-y, montre-nous. Youhou. Et elle a les petits sabots tout violets. Comme la veste, comme ma veste. Oh, la queue aussi toute violette. Un petit arc-en-ciel sur le dos. Une corne magique violette. Je te dis, elle est assortie à ma veste. Je vais me la garder pour moi. Non. Voici les petites
stickers que qu'il y avait avec le... Comment on appelle ça? Ah, maman. Avec le carnet intime. Il y a un bonus. Oui, il y a un bonus. Voilà, t'as ouvert ton dernier cadeau, c'est ça? Ouais, j'ai ouvert le numéro de... Alors, petit bonus, mais alors c'est vraiment un petit bonus, hein. Oui. Voilà, parce que vraiment, j'ai eu l'occasion de le prendre, il est trop chou et je voulais pas, te le prendre pour rien. Donc, j'ai pris pour le swap. Oh, je me demande vraiment, j'ai aucune idée. Un stylo. Koala. Un stylo très très kawaii. Non, c'est pas koala. Ours. Oh. Alors attendez, les petits copains, les petites copines, je vais vous montrer. C'est un stylo acheté à la Fnac. Et c'est un petit koala. Mais non, c'est pas un koala. Un ours. Je comprends rien. Ah, me faire tous les animaux de la forêt. C'est un panda chinois. Ah, oui. Voilà, alors il est comme ça. Et il y a deux coloris. Hop, hop. Et tu verras quel coloris il y a, je ne sais pas ce que c'est. Le petit embout, il est tout rose avec les petits points sur le côté. Le petit panda, trop mignon, trop chou. Mais voilà, voilà, voilà. Le petit panda, acheté à la Fnac. Alors ce swap, il était comment? Génial, j'ai adoré, avec tous ces cadeaux, j'ai vraiment adoré. Il y a déjà une petite ambiance de Noël, non? Oui. Ouais. Ou d'anniversaire, parce que alors toi c'est kiff-kiff, hein, c'est entre les deux. Hein. Donc le prochain rendez-vous cadeau, je vais dire, il est pour ton... Hein? Mais non, ton anniversaire, ah, oui. C'est de toi que je parle. Par contre c'est quoi ça? Ouais. Ça là? Ça? Non, ça. Ça? Ouais, c'était dans le swap ça aussi? Non. Oui, d'accord. C'est un petit canidé qui s'est incrusté. Ouais. Bah oui, elle a vu toutes les peluches. Elle s'est dit, mais moi aussi, c'est une peluche. Ok, alors regarde, vas-y. Tu fais carpette, Gaïa? Elle veut qu'on la caresse. Donc du coup, bah, ce swap, il est fini, je pense, Sindel. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Parce que là, il n'y a plus rien de toute façon. Et la prochaine à ouvrir son swap, c'est Enola. Ton frère a déjà ouvert, la vidéo sera peut-être en ligne, je sais pas, peut-être avant, peut-être après, je sais pas comment je vais m'organiser. Tagada, bon, ça nous plaît, tout va bien. Les petits copains, les petites copines, moi je vais vous quitter sur ces images. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et je laisse Sindel conclure la vidéo avec Gaïa. A très bientôt, bisous bisous. Les copains, les copines, si cette vidéo vous a plu, faites un max de bruit en commentaire. Likez. Partagez sur tous vos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous. Ça nous fera toujours plaisir. Et nous, on vous dit à la prochaine vidéo et on vous fait des gros bisous. Mouah ! Allez, vol, Pégase, vol.